Le système informatique s'est remis en marche. Ces quelques heures sans nouvelles m'ont semblé bien longues. Continuons. Ne perdons pas de temps sur le pont extérieur. Notre objectif reste la constitution de l'oxydrine hydroxyque, en section médecine, au second pont.
Vous savez, je ne suis pas chaudement vêtue. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai froid. Et puis je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Il fait si chaud. Oh, j'ai chaud. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Il fait si chaud. Oh, j'ai chaud. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Il fait si chaud. Oh, j'ai chaud. Oxylate, triéthylène. Oui, ça me dit quelque chose. Bien joué!
L'ingrédient B se trouve déjà dans le caisson. Et l'ingrédient A... Oui, c'est l'oxylate triéthylène que nous avons trouvé au dispensaire. On peut commencer. Une icône a dû apparaître sur votre plan. Le caisson peut être piloté depuis le système de sécurité. Mais cette fois, j'ai lancé la procédure automatique. Et vous n'avez rien à faire. Ça a l'air de marcher. Parfait. Voici la partie 2 du mélange. Maintenant, la préparation finale. Aïe. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Rien à faire. Je vais avoir besoin de vous pour cette manipulation. Pouvez-vous vous connecter au caisson, s'il vous plaît ? Je suis sûre que vous pouvez commander le caisson depuis le plan. Rendez-moi ce service, merci. Je suppose que le système vous demande un code. Tout le monde n'était pas autorisé à se servir de cet appareil. Vous devriez consulter la fiche personnelle du docteur Melik. Il l'a peut-être noté quelque part. Sans votre aide, je ne pourrais pas piloter le bras articulé. Vous vous rappelez la procédure pour accéder au système sous l'identité d'un membre de la base ? Elle doit vous être familière maintenant. Saisissez d'abord son alias. Ici, A.Melik. Puis son mot de passe dans le bandeau de gauche. Vous pourrez alors consulter sa fiche. C'est fait ? Voilà, un panneau de commande a dû s'afficher sur votre écran. Il vous permet de piloter le bras articulé à l'intérieur du caisson. Mais avant tout, il faut initialiser la machine. Vous pouvez vous en charger ? Je ne me rappelle plus à quoi ressemble le panneau de commande, mais je suppose qu'il comporte un bouton pour tout mettre à zéro. Essayez, nous finirons bien par y arriver. Parfait. Maintenant, nous pouvons lancer la préparation. Si mes souvenirs sont bons, le bras possède plusieurs moteurs et peut se déplacer sur le plan horizontal. Oui, ça me revient. Vous devez appuyer sur la barre d'espace pour bouger le bras sur la verticale, puis utiliser les flèches du clavier pour le déplacement horizontal. C'est pas si compliqué. On y va ? De toute façon, si vous êtes perdu, vous pouvez toujours réinitialiser le caisson. J'ai placé les deux ingrédients de la partie A de l'oxydrine hydroxyque dans le mélangeur. Ils remplissent maintenant les cylindres métalliques que vous voyez, en haut du caisson. Votre première tâche consiste à tirer le liquide du premier cylindre, celui de gauche, le rouge, avec la seringue du bras articulé. Reportez-vous au dossier du docteur pour connaître la quantité de produit à récupérer.
présent, il va falloir chauffer le mélange en plaçant la sphère de verre sur l'axe du rayon lumineux. Pour commencer, la caméra doit être en mode vision thermique. Pouvez-vous l'activer ? Nous avons trouvé une cartouche de vision thermique dans le bureau. Merci. À présent, laissez-moi vous expliquer. La température commencera à monter dès que le rayon traversera la sphère de verre et s'élèvera à mesure que vous maintiendrez cette position. Au moindre décalage, la température chutera. La réaction doit être stoppée à 42 degrés, ni plus ni moins. Dès que cette température sera atteinte, déplacez vite le bras. Vous avez compris ? Alors allons-y.
Le mélange est déjà chaud. Surveillez la température. Retirez le bras tout de suite. Dépêchez-vous. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. C'est une grande victoire. Je vais valider l'objectif correspondant. À présent, dépêchons-nous de rejoindre le caisson d'inhalation sur le premier pont intérieur. Je presse l'interrupteur de Server Zone. Attention, la connexion va s'interrompre.
poids. Ah, quelle infection! Dépêchons-nous, je ne resterai pas longtemps ici. Nous sommes sur le premier pont. Il faut se rendre à l'avant de la zone, dans la salle du caisson, pour inhaler le mélange d'oxydrine hydroxyque. Thank you.
Direction la salle d'inhalation, à l'avant du premier pont intérieur. Vous voulez que je fouille, c'est... Non, je ne pourrai pas. Ça me donne la nausée. Pas de papier sur lui. Je ne connais pas ce monsieur. Sans doute un assistant. Bon, d'accord. Il ne reste plus qu'un corps à fouiller. Oh. Ah, courage. Reza Linglin. Ce nom ne me dit rien. Peut-être une nouvelle recrue? Et cette photo? La gamine a un air de famille. Ça doit être sa fille. Mathilde. Joli prénom. Ça ne m'étonnerait pas que le professeur Linglin l'ait aussi choisi pour mot de passe. Il n'y a plus rien à faire ici. Entrons dans le laboratoire d'inhalation.
Nous touchons au but, enfin. Cette fois, nous y sommes. J'ai attendu si longtemps ce moment. C'est la console de commande du caisson. Nous avons tous les ingrédients de l'oxydrine hydroxyque. Il n'y a plus qu'à commencer. Le caisson marche encore. C'est une chance, allons-y. Où que tu ailles,
Qui que tu sois, vaille que vaille, j'irai à toi. Même là-bas, aux confins de la terre, sans soleil et sans air, j'ouvrirai un chemin sous tes pas, une voie. Ça pique le nez. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais ça brûle, j'ai mal. Vous êtes sûr que c'est sans danger? Non! Non, j'ai mal. Non, je ne veux plus arrêter. Laissez-moi sortir, j'arrête. Laissez-moi sortir. Le processus ne peut être interrompu. Ce serait très dangereux pour vous. Non. J'ai mal. Arrêtez. On continue. Cet homme que j'ai entendu crier. Pour certains récepteurs, l'oxydrine hydroxyque était un poison douloureux. Comment se fait-il qu'à moi, il fasse tant de bien? S'il y avait un miroir, vous me trouvez changé? Je vous remercie de m'avoir guidée ici. Sans vous, je n'y serais jamais arrivée. Nous n'avons pas fini. Au contraire, tout vient seulement de commencer. Ouvrez-moi le sas, s'il vous plaît. Hé ! Je veux sortir ! Voilà, j'ai validé les objectifs que nous avons atteints. Maintenant, il faut en saisir de nouveau. Le sas des cuves est fermé. Nous devons récupérer la clé. Alors, nous aurons accès au bathyscaphe et nous pourrons quitter le tanker. Pas un instant à perdre. Je dois honorer le rendez-vous qui m'a été fixé.